tous les jaloux ont bloqué. On n'aime pas les hypocrites. Ah, bloqué, ah, bloqué. Alors. Elles sont où? Je ne les vois pas. Mani, je vais lire ça facilement. Mani, ça va? Bonsoir. Partagez le live, mes amours. Nos pages là sont restreintes sur Koto. Ah, si à le direct, j'ai pas me dit j'enlève. Bonsoir Lydie Naman. Véro, bonsoir. J'ai fait la banane malassée. Vous savez, moi j'aime préparer tard. J'aime préparer le soir. J'aime quand ma nourriture dort. Quand ma nourriture dort, ça a plus de goût. J'aime préparer tard. Laetitia, bonsoir. J'aime préparer très tard. Nina Diamant Noir. Abba Hassan, bonsoir. Et puis j'aime entendre le bruit de l'eau. J'ai fait la banane malassée, la nourriture de chez moi. Diane Ladrine, bonsoir. Si vous ne partagez pas le like, il va alors me regarder. Ma page est restreinte. Vous savez, quand les pages sont restreintes, il faut beaucoup bavarder. Il faut faire le soco. Ma page est énormément restreinte. Je ne sais même pas si la monétisation est revenue. I don't know. Quand tu fais la banane malassée, on ne gratte pas la banane. C'est pas ça. Véronique Amma, toi qui sais faire la cuisine. Partagez, non. Véronique Amma, accompagne-moi. Tata Lolo, te contacter pour une publicité au 0033-766-2922-01. 0033, mon WhatsApp 0033-766-2922-01. Tu es vraiment très propre. Merci chérie. Elles vont te dire que je ne suis pas propre. Les filles qui ne savent même pas nettoyer leur intérieur. C'est trop facile quoi. Mais c'est Facebook, hein. On fait avec. 0033. Si tu veux me croire, 0033-760. Nina Diamant. Diane Ladrine. Tu ressembles tellement à ma tante. Ah bon? Tu ressembles à ta tante? Oh, Stéphanie Prado. J'ai fait la banane malassée ce samedi. Papa, il faut déjà tellement aimer ça. Aïe. Comme il était à Paris en week-end. Il était à Paris pour sa tontine à la Réunion. Il est rentré, s'il a trouvé qu'il allait manger la moitié de la mamie. Parce que je n'avais pas fait beaucoup. Hein. J'avais fait juste un peu. Et comme j'adore la banane malassée, j'ai pensé à lui. J'ai laissé un peu. Quand il est rentré, il a mangé. C'était bon. Il m'a encore dit que pardon, ma. Prépare encore l'autre. Je suis allé chez le boutiquier dans la nuit là. Parce qu'il doit aller avec ça. Là. Il doit aller avec au travail demain. Il a tellement aimé la banane malassée là qu'il a dit que ouais, c'était trop bon. Je vais faire encore une autre. Et j'ai dit, bon, comme je n'ai pas sommeil, comme je n'ai pas. C'est pas comme ça qu'on épluche la banane. Désolé, c'est comme ça qu'on épluche la banane malassée. La banane, c'est comme ça. Tu vas pas éplucher la banane. Chacun a sa façon de pêcher la banane. Moi, c'est comme ça que je pêche la banane. C'est la banane malade, c'est la banane douce. C'est pas la banane plantain. Voilà, c'est fini parce que j'ai commencé avant de lancer le live. Moi, j'ai toujours une petite poubelle à côté quand je fais ma cuisine. Parce que après, je jette ça dans le petit trou là-bas. Avec l'été qui arrive, là, il y a les insectes là. Donc tout ce qui est nourriture, je n'aime pas laisser ça dans la poubelle. Ça attire les petits insectes là qu'on retrouve en été dans les maisons. J'ai vu deux ou un là hier, ça vient toujours en été. C'est la période aussi que ça vient toujours. Voilà, donc je fais
Bon, ma banane m'a lassé. Tata Lolo applique le temps de temps le. Quoi? Tata Lolo, à temps en temps le sel et puis sur la, tes mains. Non, il n'y a pas la sève sur mes mains. Il n'y a pas de sève, il n'y a rien. Ça que j'utilise beaucoup d'eau. Ouf, il n'y a pas de sève. Il n'y a pas. La banane ici n'a pas souvent trop la sève. Hein. Bon, dans ma banane malassée, moi je ne mets pas trop de condiments. Je mets l'oignon. Vous allez voir comment je vais faire. Si vous partez le produit, ça chez vous. Moi, je vois les gens qui font la cuisine là sur Facebook. Ils mettent trop de condiments dans la nourriture. J'aime pas qu'on met. J'ai vu un gars qui fait la cuisine là sur Facebook. On l'appelle c'est Ndorbidi. Franchement, il met le poivre blanc sur tout quoi. L'autre jour, il a fait la sauce bambou. Il a mis le poivre blanc. J'étais un peu choqué. Là, j'ai déjà fait mes arachides. J'ai abri mes arachides que tu voyais là. J'ai appris les arachides. Je mets les oignons à l'intérieur parce que je vais écraser ensemble. Je vais faire le mélange, j'écrase. Voilà. Passer la banane assez, c'est bien. Il faut mettre les oignons. Je mets l'ail. Voilà ce que je mets dans ma banane malaxée. N'oubliez pas la soirée. Oh, rêve en direct. Oh là là. Bon, ne partagez pas. Alors, laissez rester. Allez chez Rêve. Vous allez venir voir mon direct après. Allez chez Rêve. Ceux qui veulent rester, restent. Allez chez Rêve. Comme j'ai lancé, je n'ai pas su qu'elle était en live. Allez chez Rêve alors. Allez chez Rêve. Ceux qui veulent rester avec moi, reste. Allez chez Rêve, c'est pas grave. Je ne vais même pas partager sur Akka ouvert. Je vais laisser après qu'elle va finir son direct. Moi, je ne regarde plus tous les gens qui sont en live. C'est les gens qui viennent regarder au direct après qui est plus important. William Carrel, allez chez Rêve. Lolo, il fait la cuisine revisitée. Mais non, mais il met trop d'ail. Il met le poivre dans la sauce bombo, mon frère. Le poivre blanc. Depuis qu'on met le poivre dans la sauce bombo, je vais faire la sauce bombo si vous allez voir un jour. Il y a une blogueuse qui a dit que Lolo ne sait pas préparer. Tu as marié ma nourriture un jour. Va te renseigner aux gens qui me connaissent. Je suis une cuisinière, maman. Je suis cordon bleu. Sans tout pas me vanter. Je mets l'ail. Voilà l'ail là. C'est la nourriture de chez moi. Je suis banganté. Bon, la nourriture des bamidékés. Hein. William Carré, tu connais la banane malassée. Nina Diamant, moi je reste ici. Ok, reste alors. Moi-même, je mets le poivre blanc. Non! Diane Landry ne met pas le poivre blanc dans le gombo. Jamais, c'est impossible ça. C'est quoi ça? On ne met pas. Ne met plus. Je mets un peu de gingembre, juste un peu. J'aime pas beaucoup. C'est un peu comme la sauce d'arachide. Hein. Restez avec. Pour ceux qui veulent partir, allez chez Rêve. Allez chez Rêve. Je voulais juste montrer. Pour la cuisine, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas le diable, c'est pas grave. Allez chez Rêve. Allez écouter le Japap chez Rêve. Je n'ai pas su qu'elle était en direct. Elle parle de quoi? Elle parle de quoi? J'ai même pas de poivre, mais même pas de gingembre. Celle qui veut participer, je peux vous prendre en live. Hein. Moi, j'ai ma façon de préparer. Il y a une blogueuse qui a dit que tu étais où le week-end? Même Julien Zombie, la reine mère de l'Oloma, il y a une Sawa. Elle a mangé mon doulet, elle a dit que non, ma mère, tu connais. Elle a dit que ma mère, tu connais pas le doulet. Oh, mais putain. Je mets le poivre dans la sauce. Par contre, je ne sais pas préparer le héros. J'aimerais bien que quelqu'un m'apprenne à préparer le héros. Je ne sais pas préparer ça. Je mets du piment parce que Gloria ne mange pas ça. Ah, Gloria mange, je ne mets pas du piment. Je mets du piment assez parce que j'aime le piment dans la banane malassée. Je mets assez. Voilà les condiments que je mets dans ma banane malassée. C'est que j'ai mis là. Je vais faire avec du poisson, du komapot. Le komapot là. J'ai lavé mon komapot avec un peu de. J'ai nettoyé ça très très bien parce que je n'aime pas les trucs qu'on fait au pays là. Parfois on fait ça n'importe où. J'ai nettoyé ça avec de l'eau chaude bien même. Bon, maintenant on va nettoyer ici. On va aller à la cuisine. On va nettoyer d'abord le levier parce que moi j'aime quand c'est propre. Là je peux pas chez moi. Si tu reviens, tu vas te dire que quelqu'un a cuisiné là. Tu vas dire non. Wow.
Dites-moi. Le poivre, l'ail, le gingembre, le dia. Pardon, c'est trop beaucoup, maman. Tout ça, c'est la sauce gombo. Non, la sauce gombo. Je mets une tomate, l'ail, oignon, c'est tout, hein. Je mets plus autre chose. J'utilise aussi le benjanga. C'est tout. Je mets pas. Si tu veux faire ça un jour, tu vas voir. Tu n'as pas besoin de mettre tous ces condiments dans ta sauce gombo. Moi, c'est l'ail, oignon. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup en cuisine. C'est les oignons. Oignon, ail. Le gingembre, un peu. Dans certains, mais le reste là. Le poivre blanc, les trucs qu'on va, c'est soit bien sûr la grillade. Voilà, maintenant on a fini. Je vais rincer ma banane que voici. Parce que c'est pas trop beaucoup. Hein. C'était juste pour papa Fodja. Dora ne mange pas ça. Dora ne mange pas la banane. Même la banane plantain ne mange pas. C'est moi quand c'est frit. Elle a déjà fait sa nourriture. Elle a cuisiné ça. Parce que le gars, c'est elle qui fait à manger. Elle fait sa propre nourriture. Moi, je gêne même pas. J'achète tout et je prépare. Voilà. Maintenant, c'est déjà là. Je vais mettre mon kobapot en haut. Sans toutefois. Ouf, maman. Hey, le goût de ça. Regardez le gros kobapot. Regardez-vous. Je mets ça comme ça. Je vais un peu diviser en deux. Simple l'espace. Ça coûte cher, hein, le kobapot là. Je mets ça déjà en position là au foyer. Je reste mon. Tata, le prépare quoi? La banane malassée, moi j'ai préparé la nuit. C'est dans mes habitudes depuis que je suis. Une femme, moi j'aime cuisiner la nuit. J'aime pas cuisiner. En journée, là c'est rare de me voir cuisiner. Je ne cuisine jamais en journée. En cuisine, il faut toujours penser à nettoyer une fois que tu utilises. Il ne faut pas entasser. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entassent. Après, quand tu as fini de préparer, tu as la paresse de nettoyer. C'est ça qui fait que le levier est toujours sale avec les assiettes partout, partout. Il faut toujours nettoyer. Là, je nettoie direct. Hein. Je ne laisse pas traîner. Quand on va déménager ici, je vais acheter aussi ma cuisine comme la reine mais bio. Avec le frigo de la gloire glorieuse. J'aime bien son modèle de frigo là, j'adore. Ah, c'est propre. Maintenant, on va aller, on va écraser. Allez chez Rêve, celle qui veut aller chez Rêve, allez-y. Hein? Celle qui veut aller chez Rêve, vous partez. Allez suivre le Japon, je ne vais même pas partager ça sur la corde ouverte. Parce qu'après, on va dire ça, ça est en direct, elle aussi en direct. Si on fait, est-ce que moi j'ai besoin de vue? Là, il y a besoin de vue, je donne rendez-vous. Ça, c'est un petit direct de cuisine. Voilà. Voilà ma machine. Ma cuisine, hein. Je suis pas de n'importe quoi. Vous voyez? Ce que j'avais avant, papa Fodja, j'ai envoyé ça au Cameroun. C'est ce que papa Fodja m'a offert il y a 2 ans. C'est toujours propre. Ouais. Propre. Même le derrière. On vous apprend. C'est pas seulement venir insulter hein, sur Facebook. Appelez à ranger. Tu peux avoir la maison, tu peux avoir la maison. Ça peut je peux même. Oh ben, par contre, je vais écraser ça pas près de vous parce que là, il n'y a pas de. La roche. Je vais courir. Thank you.
la même banane, voilà, si vous allez voir le goût. Sans toutefois. Je mets direct dans ma marmite. Tourne bien la caméra. Je tourne comme un chéri. Allez, chéri, même bien hier. Vous allez revenir regarder ça après. Allez soutenir. Elle parle même de quoi? Il y a la machine, je vois la place. Bon. Je tiens à la fin. Et on va passer à la phase de cuisson. Voilà. Bon, la mamie, ça va être petite. Hein. Je vais changer de marmite. Celle-ci, elle a l'air petite. Je vais prendre la peau. Je vais prendre ma cocotte. Mamie cocotte. C'est ma belle-mère qui m'avait envoyé ça du pays. Elle a l'air. Elle est petite, on va changer. Je vais changer de marmite parce que là j'ai peur. C'est où ma louche? Vraiment petite, voilà. Yeah.
Ok, bah bon. À vous, les ennemis, écoutez la rumeur. Pourtant, les ennemis souhaitent notre séparation. Raconte-y tes pantalons. Oh, Mado. Voilà. Et c'est terminé. Ah, Lolo vous dépasse. Bonsoir, ma fille chérie. Comment est-ce? Ça va, mon bébé? Bébé. Oh. Après, on va nettoyer tout ça. Je vais allumer le feu. Je vais mettre du sel. Lolo vous dépasse. On dit qu'elle aime bien y aller en direct. Elle parle de quoi même? Ça, c'est ici que je range mon cube magie. Je range le cube magie là. Je vais mettre. Ah, ben il y en a là. Je vais mettre deux cubes magiques. Femme sale qui a la fête. Je vais mettre plus rouge. C'est un peu coagulé comme il fait froid. On va le prendre. Comme au pays. Bon, on va faire ce que c'est. À moi. Comme au bled, quand il fait froid, le truc est coagulé. Voilà. C'est où le couvercle? On laisse mijoter. D'accord. C'est terminé. Je ne peux pas la banane malasser. J'ai fini. Ma poubelle est là. Ce qui fait que tu n'as pas grand chose à faire. On va d'abord débarrasser le truc et c'est ce. C'est ça. Comment on appelle ça, le panier pour sécher de la salle? Celui de la main, ça peut salir. On va d'abord débarrasser ceci. Laissez-le. Il y a une salade là. Moi, j'ai que des mamies qui fallent. Hein. Et quand vous aimez tout regarder chez quelqu'un là, là, c'est ma tasse de thé. Voilà, avec non, ça c'est pas encore, ça c'est l'ouvre, ça c'est le ramel de papa pour le boulot. Je vais manger ça, je vais libérer la poêle. Pour demain, je remets le verre à sa place. Et voilà. Là, c'est les œufs qui l'ont bouilli. C'est libre.
pas envie de jeter au truc. Si jamais tu vas faire le truc. Tu sais, il y a un vieux. Bro, il y avait même l'autre épaule des assiettes là. C'est déjà vieux. Vous gardez ça pourquoi? Bon, vous pouvez partir. Vous allez venir voir à la fin après. Allez, chérie, viens bien. Je vais partager ça après sur un cœur vert. C'est facile à cuisiner quand tu as l'espace libre, quand c'est pas trop encombré. Tu vas voir, tu vas aider la cuisine de quelqu'un veut pas une petite moutique qu'on la banane là, c'est sale partout. Quoi. Tu n'as même pas envie de manger. Moi, j'aime bien cuisiner propre. Je lave mon linex. Je nettoie ça bien. Ça, comme on venait, je peux rester 10 ans avec un truc, c'est toujours propre. On ne fait pas la magie parce que c'est la bataille de l'écho. Tata le loger beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants te dépassent à nettoyer ta cuisine. En passant, Sandy de Boston, ma petite soeur. Ma petite soeur Sandy de Boston. J'aurais un mot à te dire. J'ai dit, la semaine dernière, c'était une semaine de retour. Ce qui fait que je me suis retrouvé un peu dans le trou de bavardage là sur la toile. Et à partir de cette semaine-ci, on va rester plus concentré sur nos émissions, sur mes activités sur le web. Voilà, je ne veux plus entrer dans les petites conneries, les conneries inutiles, quoi. Loukou va bien, Gomigan. Loukou va bien. Elle va très bien. Elle est déjà accouchée, demain c'est l'école. Loukou va bien. Il est quand même resté, hein. Voilà. Donc, ma petite soeur Sandy de Boston. Pardon, laisse-moi dans tes affaires de combat. Je ne suis pas moi dedans. Il t'a dit que je n'ai jamais trahi un Camerounais. Depuis ma naissance. Je ne suis jamais entré dans une team. Dans un mouvement politique, j'aime une personne et personne ne peut m'interdire à dire que j'aime telle personne. Parce que chez mes parents, même mon père nous laissait la liberté de s'exprimer. Il ne nous a jamais influencé sur quoi que ce soit. Voilà. Donc je refuse d'être soumise à un être humain comme moi. Donc ce que tu as raconté dans ton livre, j'ai bien vu pleurer. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'après tout, tu restes une femme. Hein? Tu restes une femme. Et chacun de nous, par amour, on se retrouve souvent dans des situations qu'on ne comprend pas pourquoi nous sommes arrivés là. Mais c'est l'amour. Quand tu aimes, quand tu es amoureuse, tu peux tout faire pour faire plaisir à la personne que tu aimes. Donc, éloigne-moi de tes combats. Vous êtes des activistes. Accepte qu'on t'a trompé sur ma personne. Parce qu'étant donné que tu étais une femme amoureuse, je ferai ce direct même demain pour mieux t'expliquer ce qui s'est passé. Donc ne vocifère pas du n'importe quoi parce que vous êtes dans vos règlements de compte. Je ne suis pas dans votre monde là. Je n'ai jamais été. Avant 2018, j'étais ami avec Cameron Lafrentière. J'étais ami avec beaucoup d'entre vous. Mais après, je voulais pas me mêler dans ces trucs-là. Et l'amitié s'est terminée. Mais de temps en temps, l'un d'eux peut m'appeler pour me dire bonjour ou bonsoir. Ça s'arrête là. Donc, tu as dit des choses dans ton live que je viendrai avec plus de détails. Parce que je t'ai vu pleurer, ça dit de Boston. Je t'ai vu pleurer, tu as pleuré. Tu as dit, je te comprends. Parce que même moi, même par amour, j'ai eu à faire des choses. Hein. Par amour, parfois on se trompe. Par amour, on est capable parfois même de renier son enfant par amour. Hein.
C'est un truc qu'on ne sait même pas pourquoi. C'est après qu'on se rend compte qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Et puis voilà. Mais il faut reconnaître ses erreurs sans toutefois jeter l'autre à la verdict populaire. C'est pas bien. Reconnaître que voilà. Parce qu'à la base, je n'avais aucun problème avec les gars de votre mouvement. Le seul problème qui nous a mis. Le seul truc qui nous a. Ah, merci chérie, Guylaine. Donc, Guylaine, le seul truc qui nous a mis en désaccord, Sandy de Boston, c'est. Je ne sais pas ce que j'ai eu comme problème avec toi, un problème particulier, non. Nous étions trois à la CAN, les blogueurs d'État, nous étions trois. Quand nous sommes rentrés, il y a eu des choses qui se sont dites, parce qu'il y a eu la colère, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont dit là-bas. Et un jour, je n'avais pas de problème avec toi. Je venais même d'aller direct. Je parlais même souvent de lui dire, je venais même parfois te taquiner. On n'avait pas de problème. Je n'avais aucun problème avec toi. Ça commence le jour que ton ex-compagnon, ton ex-chéri, qui est le fou de la Belgique, Niad Barano, il me trouve dans le live de la Veuve Joyeuse. Nous sommes rentrés parce qu'à l'époque, la Veuve Joyeuse, moi, on ne s'entendait pas quand nous sommes rentrés de la CAN. Elle n'a jamais compris que nous sommes rentrés le même jour au Cameroun. Moi, on avait pris les vols différents. Nous sommes rentrés le même jour de la CAN sucrée. Mais nous avons pris les vols différents. Elle se disait que j'étais resté au Cameroun. Donc elle avait cette colère en elle. C'est là où elle est sortie. Elle m'insultait tous les jours. Voilà comment un jour je trouvais ton ex-compagnon ou ton ex-collègue du combat dans son live. Ils sont en train de m'insulter tous les deux. Moi, je me défends. Je commence aussi à l'insulter. Il dit le cul de ma mère. Il insulte les parties intimes de ma mère qui est décédée. Moi aussi, j'ai insulté pour sa mère. Et là, il m'a promis que tu vas voir, on va te boycotter. C'est pour ça que l'Olivier Tchana et ma petite Salomé Tchatchet se sont dit, ils vous ont dit que non, ça c'est un boycott de règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec le combat. Mais comme toi, tu étais amoureuse, tu n'as pas pris le temps de réfléchir en tant qu'une femme. Tu aurais pu peut-être me tuer là-bas ou peut-être on aurait. S'il y avait eu un mort, tu devais dire que tu es venu faire le boucan en l'eau, pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule qui peut au Cameroun qui dit que le Cameroun est sucré. Je ne suis pas la seule. Beaucoup d'entre nous le disent. Hein? Pourquoi vous n'avez pas bloqué d'autres blogueuses? C'est tout simplement ça. Ce que tu vois, Olivier Tchana et Salomé Tchatchet étant plus intelligents que vous, ils vous ont dit que non. Ça, c'est un boycott des règlements de compte. Et son frère, étant donné qu'il a entendu le nom de sa mère, il était remonté contre moi. C'est un Cameroun la Panthère. Il était remonté contre moi et il a pas aimé le parce qu'il a dit que j'ai aussi insulté sa mère. J'ai dit mais si c'est il va regarder le live, c'est ton frère qui commence à insulter ma mère. Et puis il dit attends, tu vas voir, on va te boycotter. C'est comme ça que la Veuve Joyeuse vous envoie la vidéo. Une vidéo qu'on a fait à la demande de la personne qui nous invitait au Cameroun. Elle a fait pour elle, j'ai fait pour moi. Mais vous envoyez pour moi comme si j'étais la seule à avoir fait cette vidéo. C'est comme ça que vous êtes parti, vous avez commencé le boycott. Accepte qu'ils t'ont trompé sur ma personne. Accepte, ne cherche pas à dire que quand on a pensé est venu ici chez moi parce qu'il venait me donner des informations pour aller avec un certain monsieur. Non. Quand on a pensé, quand il vient, accepte qu'ils t'ont trompé parce que je n'ai jamais traité avec qui que ce soit. Quand je suis parti voir le colonel, j'ai dit ça sur ma page Facebook. J'ai même mis les photos, si vous ne voyez pas, je peux ressortir ça. C'était en haut écrit ministère de la Défense. J'étais juste curieuse de voir qui c'est qu'on appelle tel colonel. Ma curiosité m'a envoyé là-bas. Et c'était même à ma demande, j'ai forcé même pour qu'on m'amène là-bas parce que je voulais aussi voir la personne. Ça n'avait rien à voir avec, signer un pack ou signer quoi que ce soit, rien du tout. Rien. Donc... Ça
Ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Je vais mettre ça à la poubelle qui est sur le mur. Vous voyez comment mon endroit est propre. C'est propre. J'ai mes armoires là qui se cassent déjà. Vous savez, je remets toi à sa place. Tout est ok. Ça, c'est la gamelle de papa Fouja. De tous les matins, je vais laisser sa gamelle là parce qu'il va l'étudier. Donc, Sandy de Boston, j'ai vu que tu es en ligne. Tu viendras peut-être écouter le direct si après. Tu n'as jamais été mon ennemi. Ce n'est pas peut-être parce que tu fais partie là-bas. Moi, je parle avec VP de Londres. Je parle avec tous ces gars, même ma mère, quand même, qui m'insulte là. Si je l'appelle, je vais décrocher le téléphone. Moi, je n'ai pas un problème avec ceux qui font la politique. Mais je dis que j'aime telle personne. Vous n'allez pas m'interdire à dire que j'aime une personne. Non, jamais. Et même mon père, il sort de sa tête, il ne va pas bien me dire que ma fille ne fait pas telle chose. C'est impossible. C'est impossible. C'est là où je dis. Ils ont profité. Le fou de la Belgique a profité de ta. De l'influence qu'il avait sur toi pour venir noyer d'autres personnes. Il a pris ses problèmes personnels, il a mélangé ça dans le combat. Tu n'avais pas un autre problème, rien. C'est à partir de là que la guerre se déclenche entre lui et moi. Et son frère, il n'est pas content parce que j'ai mentionné le nom de sa mère. Il n'a pas aussi regardé que son frère avait aussi parlé de ma mère. Et moi aussi, il a dit que je ne peux pas te laisser insulter ma mère. Moi, je vais te répondre. Si tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Alors, il a profité de votre combat pour utiliser les personnes autour que Lolo s'est infiltré. Elle travaille avec le tel, tel, tel. Il est venu vous mentir et tu t'es acharné contre moi. Ma soeur, fais ton combat. Je n'ai rien contre ça. Aujourd'hui, tu es venu pleurer. C'est les mêmes larmes que tu te moquais de moi. Moi, je n'ai jamais pleuré en live. J'ai jamais pleuré. Même si j'ai mal comment, je ne laisse pas mes larmes couler. Ça, c'est un truc interdit chez moi. Je peux faire pleurer seul dans ma chambre. Mais je ne pleure pas devant les gens. Mais tu as pleuré parce que tu es blessé. Ils t'ont humilié. Même pas plus tard que 2 semaines là. Si j'avais ton numéro, je t'ai envoyé la photo de toi qu'on m'a envoyé. Une photo de toi. Ça n'a jamais. Je n'ai jamais vu cette photo sur la toile. Mais je peux te m'envoyer. J'ai dit qu'est-ce que je fous avec. Je ne vais pas publier une femme, je n'ai pas un point avec elle. Je ne vais pas la publier, c'est pas dans mes habitudes. Mes parents ne m'ont pas appris ça, je n'ai pas eu cette éducation à les publier la nudité des femmes. Jamais je le ferai. Je ne le ferai pas. Donc c'est un peu ça. Tu t'es acharné sur moi. Ils sont venus te manipuler, tu es tombé dans le piège. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de toi? Ils t'humilient. Ils t'humilient. Donc c'est pour te dire que quand vous êtes dans un combat comme ça, faites abstinence en tenant. Essayez de ne pas avoir les gens un peu. Les gens mais légères. Bien sûr qu'on peut rencontrer l'amour partout. Même dans un combat politique, on peut rencontrer l'amour. On peut rencontrer l'amour partout. Tu parlais même à l'école, tu rencontres ton ami, ton camarade de ton premier, même ceux qui tombent amoureuses de leur professeur. Ce n'est pas interdit, ma chérie. Ce n'est pas interdit. Tu peux me tomber amoureuse de ton professeur. Tu peux tomber amoureuse même de ton élève. L'amour, on le trouve partout. Il n'y a pas un endroit destiné pour trouver l'amour. Ça peut arriver que tu arrives quelque part. Tu es tombé sur le charme d'un homme. Mais sachant que cet homme-là était en couple, il fallait faire attention même pour ta propre image. Il fallait faire attention vu ce qu'on avait déjà dit de cette personne-là avant. Parce que ce n'est pas comme si c'était une personne inconnue. C'est quelqu'un que tu as déjà entendu parler de lui dans la toile. De tous ces déboires, de tout ce qu'il fait de mauvais à la femme dans les réseaux sociaux, de toutes les humiliations qu'il fait subir aux femmes. Toi, en tant qu'une femme intelligente, oui, parce que en amour, on est naïf, mais quand même, tu es à l'école, tu devrais quand même réfléchir que non, ce gars-ci, même si je l'aime, je dois faire attention, ma nudité, je ne dois pas l'exposer n'importe comment, je dois faire attention parce que, et aussi, quand il a pour toi, tu fais l'effort d'avoir pour lui. Parce que toi, tu as dit ça balance. Si tu es capable de dire que je balance pour lui, si tu es une fille voilà, si tu es une fille qui a l'habitude de le faire, moi, parce que même si, moi, même si un homme me publie, je n'ai pas le courage de publier cet homme-là. Parce que je n'ai pas cette éducation. Parce que moi, j'ai la crainte de Dieu. Je préfère plutôt moi-même encaisser et laisser la nature faire son travail. Moi, c'est comme ça que je fais souvent les choses. Je n'agis pas, je dis bon, il y a un Dieu vivant, il y a la nature, il y a mes ancêtres, ils vont faire mon palabre. C'est comme ça que moi j'agis la plupart des temps, je ne fais rien. Je ne rends pas le mal, bon, peut-être dans les clashs qu'on fait là, oui, dans les moqueries, oui, mais je dis que prendre la nudité de quelqu'un et le balayer dans la toile, je ne le fais pas. Donc,
reconnaître que tu as fauté, Sandy de Boston. Lily, n'oubliez pas. Merci Patricia Co. Merci Pat. Merci Mbombo. Tu es ma Mbombo. Hein. Tu vois. Ah oui, Camère Jeunesse. Au lieu de dire que oui, ma soeur, j'ai eu fait une erreur. Voilà ma voilà, Manassé qui a commencé à. Waouh! Ça a commencé déjà à mijoter là. Voilà. C'est comme ça que moi je prépare la banane. Allez reproduire ça comme ça à la maison. Vous n'avez pas besoin de mettre tous les condiments dans la banane, les trucs, les poivres, les ceci, non. Je vais mettre encore un peu de sel. Je laisse d'abord. Je vais mettre la couvercle de protection. Ça va se. Ma soeur, moi j'avais pas de problème particulier avec toi. Je te raconte, c'est les faits. Comment ça s'est passé? Pourquoi mon nom arrive dans votre histoire de boycott là? C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu d'autre chose. J'étais dans le direct de la veuve joyeuse. Ce mec, je l'ai retrouvé en live. Je suis en train de le passer. J'en avais un peu marre des injures qu'il proférait sur ma personne. J'ai dit, mais je ne vais pas me laisser faire. Moi, je pourrais me défendre. Hein. Pendant laisse cette abeille. Elle a un problème. Je te jure, t'as dit ta coutelle. Je suis dépassé. Alors, c'est comme ça que je suis. Je me suis répondu au gars. Parce que je me défends. Je ne peux pas laisser que quelqu'un insulte ma personne. Et parce que, non, j'ai dit que. Alors là, je vais entrer dans le live. Dieu merci, ce jour-là, la veuve m'a pris dans le live. Je les ai insultés tous les deux. Il a dit, il a insulté les parties intimes de ma mère. Moi aussi, j'ai insulté les parties intimes de sa mère. J'ai dit, c'est qui fait. J'ai touché où ça fait mal. Comme il a aussi touché où ça me fait mal. Et alors là, celui il a déclaré que je vais te faire boycotter. Comme il avait des relations, je ne sais pas, intimes avec toi, il est entré dans toi, il t'a mangé le cerveau, il est venu vous raconter des histoires de lui, de vous. Même quand j'allais voir le colonel, j'ai mentionné ça sur ma page. Il y a les photos sur ma page, il y a tout sur ma page, je ne cache rien. Je peux parler quelque part, je sais que je vais faire un business avec quelqu'un. Je sais que ça va peut-être compromettre peut-être ma visibilité. Je ne vais pas venir exposer ça sur la toile. Si j'ai exposé, c'est parce que pour moi, il n'y a rien derrière. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je suis dans mon pays, je peux rencontrer les personnalités de mon pays. Je peux rencontrer le président, je peux rencontrer le préfet, je peux rencontrer le maire, je peux rencontrer tout le monde. Pourquoi ne pas profiter derrière quelqu'un et puis voir cette personne dont je suis curieuse, de voir qui c'est, à quoi il ressemble, il est qui. Voilà, parce que j'entends parler de son nom, c'est tout. Il est venu là, vous a raconté des histoires, il a raconté beaucoup, il vous a menti. Vous êtes sorti en masse. Imagine que ce jour j'étais morte. Et aujourd'hui tu pleures. Tu crois que c'est normal, une femme qui est activiste, même moi qui suis blogueuse là. Si un homme te dit qu'il a la nudité de Lolo, dis que Lolo a sa nudité. Un homme ne peut pas avoir ma nudité, c'est comme que je n'ai sa part. Impossible. Mais c'est moi que je suis fille de bonne moralité, que je n'aime pas me rabaisser à faire les trucs, faire comme les autres. Je peux faire pareil, mais je me dis bon. J'ai ma fille, j'ai les frères, j'ai les neveux, je ne vais pas faire comme autre. Un homme ne peut pas avoir ma nudité sans que je n'ai sa nudité. Impossible dans la vie, c'est faux. C'est faux. Si un homme a ma nudité, j'ai pour lui. Et alors si tu avais sa part, quand il a balancé ta part, tu devais balancer pour lui. Étant normal que tu es dans un groupe d'hommes. Parce que quand on trouve l'amour partout, il se dit que tu es une femme, il y aura ceux qui vont te draguer. Tu devais faire attention à toi. Sachant que ces personnes-là, il y a telle personne qu'on m'a déjà parlé, j'ai déjà entendu parler dans le net, j'ai déjà entendu un peu les personnes de faire, chacun d'eux, il y a quand même un secret qui est sorti sur eux. Et à partir de là, tu devais faire attention à toi. C'est que même s'il y a la relation, ça se limite que du coup. Le temps, pas l'échange de vidéos, pas les signes, non, parce que tu devais faire attention à toi. Mais comme on dit, l'amour, elle est aveugle. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Elle est aveugle, tu étais aveuglé par l'amour, et puis tu es tombé dans le panier. Et voilà, et puis tu t'es laissé avoir. Et voilà, j'ai eu pleurer, j'ai eu de la peine pour toi. Hein. J'ai eu, en tant qu'une femme, j'ai eu pitié, ça m'a fait mal. J'ai dit, bon voilà, elle a que ce qu'elle mérite. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas, tu ne veux pas accepter que tu as eu tort en venant t'apprendre à moi. Tu veux encore raconter une autre histoire que quand la panthère est venue chez moi. Parce que j'étais en boîte à nuit avec quand on l'a planté. Après, il est sorti de boîte de nuit, je l'ai amené chez moi. On a parce que il y a un ami à moi, un ami à moi, qui, avec qui il traite avec telle personne. Et quand on l'a planté, il me donne les informations. C'est archi faux, ma chérie. Tout est faux. Moi, c'est que si j'ai fait entrer quand on l'a planté chez moi, c'était comme une vengeance. C'était pour vous naguer. C'était pour te dire à toi. Que voilà les gens avec qui tu es venu pour. Les gens avec qui tu étais ensemble pour me faire du mal hier. Voilà l'un de qui est assis dans mon salon et qui boit du champagne avec moi. C'est le message que je voulais te faire passer. Et je savais que ça devait exploser.
Sandy, de mon sourire, savait que ça devait exploser parce que peut-être tu allais à l'école plus que moi, mais j'ai l'expérience de la vie. Je savais que quand je vais faire entrer cette personne chez moi, son frère, quand il va voir ça, il ne va pas aimer et ça va exploser. C'était une manière de vous mettre dans les palabres. C'était une façon de me venger contre vous. Alors moi, j'étais à la soirée avec mon type, avec papa Podia. Nous étions à la soirée de Bendeka. J'ai peur de ressortir la vidéo le même jour. Nous étions à la soirée de Bendeka. On s'amusait très bien. On s'est amusé, ben, il s'était une personne, il disait qu'il y avait les gars de la base qui devaient venir pour boycotter Bendeka. Alors, toute la salle, les gars de reste étaient sortis, ils avaient quand même ils avaient le matériel dans leur voiture, de dire que ça va se gâter, qu'on va se gâter. Alors, il n'y a rien eu dans la salle, tout s'est bien passé. Vers 5h, 6h du matin, Stéphane, c'est son ami qui nous a déposé, l'ami de papa Fodia, qui nous a déposé parce que Stéphane, il était à bruit, il ne pouvait pas conduire. Nous sommes entrés, on s'est couché, après mon téléphone a sonné. Quelqu'un m'a appelé, tu es où? J'ai dit, je suis là. Je suis à la maison, oh je suis devant chez toi. J'ai dit quoi? Tu es devant chez moi? Il me dit mais oui. J'ai dit mais tu viens faire quoi? J'ai même dit qu'après qu'il m'a dit que mais laisse, j'ai dit man, laisse, ferme ton téléphone, tu dors. Après il y a quelque chose qui est venu dans ma tête là, j'ai dit waouh, ça c'est une occasion en or. Ça c'est une grosse occasion que je dois saisir. Alors là, c'est aujourd'hui que je dois me venger. Je dois montrer à ces gens là que il faut faire attention. C'est comme ça que je dis que non. Papa vient comme il dort parce que quand il boit, franchement il est capote, il commence même à ronfler. Alors j'ai dit, j'ai ma poire, j'ai mon gibier et je vais l'attraper et je vais faire ce qu'elle fait, je vais lancer le direct. Dès que je suis descendu, j'ai lancé le live parce que je pensais à Justine Boucan parce qu'elle avait dit un jour dans un essai live que quand on la partait, elle ne sera plus jamais avec le genre de personnes comme toi. Et ça c'est resté dans ma tête. J'ai dit que ma chienne, tu travailles avec elle. Je l'ai laissé entrer, j'ai lancé le live parce que je voulais que vous, que son frère et vous, toute votre bande là, que vous vivez ça en live. C'était ma technique. C'était ma technique. Ce n'est pas que le gars est venu me donner quelque chose. Lui-même, il s'est retrouvé dans un piège qu'il est tombé sans s'en rendre compte. Je n'avais aucun contact avec lui. Je n'avais pas un compromis avec lui. Il ne venait rien me donner. Mais il est venu parce que c'est quelqu'un que il n'est pas rancunier. Il peut t'insulter, mais il oublie. Il n'est pas rancunier. C'est pas quelqu'un qui a la haine en lui. Il n'est pas rancunier. Comme c'est quelqu'un que je connais. J'ai dit que, au départ, quand il m'a appelé, j'ai dit que je vais raccrocher. Mais oui, Diane, j'ai dit que je vais raccrocher ce téléphone. J'ai dit, ah, dis donc. Un gars m'a dit que non, ne raccroche pas, dis donc. S'il est devant là, tu pars. Dès que tu sortais lancer le live en pleine route, je veux que tu vas regarder encore le live. J'ai fait ça exprès pour monter à son petit frère, à toute votre bande, que voilà l'un de vous. Nous sommes entrés, c'était en caméra. Tout le temps qu'il a passé dans ma maison, tout était en vidéo. Tout était en direct. Si on m'a donné quelque chose, les gens devaient voir ça en direct. Ah voilà. C'est comme ça qu'on a parlé. Je savais que quand je vais couper le direct, là, ce qui va se passer après, ça sera du sale. Je savais. C'est pour dire que j'ai l'intelligence. J'ai l'intelligence de la vie que tu, peut-être tu n'as pas. Je comprends que tu n'as pas vécu assez. Tu as passé ton temps avec sur les cahiers, les filles de maman et papa. Tu n'as pas eu le parcours de vie que moi j'ai eu. Tu as peut-être eu un parcours scolaire que moi je n'ai pas eu. Mais le parcours de vie que j'ai eu, ce n'est pas seulement de dire que parce qu'on est Ouaka, qu'on a ces gens de parcours de vie, non. Quand tu y as voyagé, tu as plus d'expérience que celui qui n'a pas voyagé. C'était un peu ça. C'est bon. Hein. Putain, c'est... Voilà ce qui s'est passé. Après, quand il est parti, tout a explosé entre vous là-bas. C'était un peu que j'ai saisi l'occasion pour me venger. Donc ma chère soeur ou petite soeur ou grande soeur, parce que je suis la grande mère de tout le monde en Facebook, j'accepte ça parce que c'est une grâce de vieillir. Parfois je me dis que qui peut me donner l'âge de Paul Biya? Vieillir jusqu'à cet âge-là, là je vais mourir heureuse. Parce que j'aurais quand même vécu, j'aurais profité de la vie. Si je meurs maintenant, j'aurais trop de regrets parce que franchement j'ai encore envie de vivre longtemps, longtemps. Pour... Voilà. Donc quand c'est comme ça, tuteur, on était chez Rêve. Ah, vous avez fini chez Rêve. Moi, je vais couper déjà parce que la mairie était finie. Je voulais juste dire un peu. Je vais juste envoyer un petit message à Sandy de Boston. Alors, quand tu te retrouves qu'après vous avez des problèmes, ne viens pas dire qu'il travaille avec moi. Celui qu'on appelle Brice là, Sandy, tu es trop bête. Tu n'es pas intelligente. Celui qu'on appelle Brice, si je te dis ce qu'il a dit de toi, parce qu'il a pris la capture, il est venu te donner. Il ne t'a pas dit ce qui est sorti de sa bouche sur ta personne. Il t'a humilié. C'est parce que j'avais dit que les histoires d'enregistrement, là, je ne le ferai plus. Parce que moi, si j'ai pris une autre voix, si je te dis ce que c'est Brice a dit de toi, je prends la Bible, je mets, parce que moi, je suis une croyante. Je ne vais pas à l'église, mais je suis une croyante. Je crois en Dieu, je crois en la nature, je crois en mes ancêtres. Donc, si je te mets la Bible, je te mets la main sur la main, je dis que ça, ce que je dis est vrai. Ce gars-là t'a humilié, il a humilié Vassero.
Il a dit comment il achetait les chaussures à Vassero aux États-Unis, qu'il n'a rien, c'est un pauvre. Il a dit comment toi tu es une pute, tu ne peux pas. Quand tu voulais qu'il te baise. En tout cas, c'est un truc que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais ce Brice là, je ne le connaissais pas, mais il m'a dragué. Il m'a dragué. Et mais comme quand on l'a pendé, il a souvent cette folie là, quand il lance une vidéo au hasard, parfois il ajoute tout le monde. Un jour, je me retrouve dans un groupe et je dis mais qui m'a ajouté ici? J'ai refusé d'entrer dans le groupe. Dis à ce Brice là que j'ai refusé, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, j'ai refusé d'entrer dans le groupe. C'est Brice qui me rappelle plus tard. Parce qu'il n'était pas dans le groupe à l'instant. Il me rappelle plus tard, il me dit on m'a appelé dans un groupe, vous êtes qui? Je lui dis mais toi tu es qui? Il me dit non, mais tu es qui? Mais je suis Lolo Fodja. Il me dit moi, on m'a appelé dans un groupe, il y avait ce numéro. Je lui dis je ne suis pas entré dans le groupe, mais c'était un groupe de cas où on l'apprenait. Mais je ne suis pas entré dans le groupe, mais s'il y a mon numéro, c'est parce qu'ils ont essayé aussi de me mettre dans ce groupe-là. Et c'est pour ça que le monde a commencé à tchatcher. Il a saboté ce camion la panthère, il a saboté toi, il a saboté Balsero, il a commencé à me draguer. Il a commencé à me draguer. Et c'est tombé quand il connaît mon cousin, il connaît beaucoup de gens qu'on se connaît. J'ai même ajouté mon cousin dans l'appel. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis rendu compte que c'est l'ami d'un cousin à moi, de mon cousin direct, que j'ai ajouté dans l'appel. Il m'a dragué, il a dit que ça ne peut pas marcher. Il a commencé à m'insulter, chien, machin. Mais il a dit de se suivre toi. Mais il te prend la capture, ta mère, il te donne, il ne t'explique même pas comment tu as. Il a eu cette capture-là. Tu vois? C'est pas peut-être parce que vous êtes combattants que vous êtes nos ennemis. Non. Et on ne peut pas se diviser, nous sommes tous des Camerounais. C'est pas peut-être parce que tu combats une cause que je ne combats pas que tu es mon ennemi, Sandy de Bosson. Mais il faut apprendre à dire la vérité, arrêter de manipuler les Camerounais. Parce que je suis une Camerounaise. Toi, tu es anglaise, tu as un passeport anglais. Moi, je suis Camerounaise, même sur le papier. Je ne peux pas, tu ne peux pas venir à chaque fois, venir verser le nom avec du populaire, dire des choses, des trucs, des mensonges, des trucs qui n'existent pas. Comment on peut faire confiance en vous quand vous mentez sur les gens? Apprenez à être vrai, apprenez à dire la vérité, apprenez à demander pardon quand vous avez fauté. C'est important dans la vie. Tu as fait une erreur parce que j'étais une femme amoureuse. Tu t'es empris à beaucoup de personnes sans que tu sois justifié ces boycotts-là. Et parce que tu étais sous l'emprise des personnes peut-être qui t'ont manipulé. On va comprendre, c'est la vie. Mais ne viens pas dire après que non, c'est même quand on la panthère, il est passé dans un groupe WhatsApp. Quand on la panthère, ce n'est pas un propos bien. Quand on la panthère, c'est un pro-campo. De lui et moi, il sait que ça ne peut pas marcher. C'est une guerre qu'il y a entre lui et moi. Il sait que je n'entrerai jamais dans ce combat. Il le sait. Il me dit, Lolo, tu peux. Il dit que tu fais bien parce que tu dénonces les faits de la société. Je vois bien sur ta page comment tu dénonces quand c'est important, c'est bien. Je dis, mais politique, je ne le ferai jamais. Mon père n'a jamais fait la politique, l'homme qui m'a mis au monde. Mon père ne faisait pas la politique, jamais. Mon père n'est jamais entré dans un parti politique. Donc moi-même, ça fait, je suis comme ça. Donc je ne suis pas dans la politique. Depuis qu'il est entré dans votre monde, les activistes là, l'amitié s'est gâtée. Et parfois, quand il m'appelle, il me dit que Lolo, comment hein? Va prendre ta carte. Voici, c'est là. Il essaie de faire un peu la propagande pour s'attirer les adhérents. Il sait faire son truc. Mais jamais, jamais, au grand jamais, j'ai donné une information à Caron la Panthère. Ma soeur, je t'en supplie, lâche-moi les baskets. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es une compatriote. Comme les Marie-Paul Paul sont mes compatriotes. Comme les VP de l'autre sont mes compatriotes, ne me mêlez pas dans vos choses. J'en ai marre. À chaque fois que tu te lèves, tu dis Lolo Fodja, je ne suis pas ta rivale. L'homme que je sors, je n'ai jamais sorti avec un homme en commun avec toi. Je ne connais pas, peut-être c'était là, je ne sais pas. Mais je te dis que quand tu as commencé avec Kaola Panté, accepte que avec le fou de la Belgique, ce malade mental, cet aliéné, cet enfant qu'on a vendu dans le FAMLA, quand tu as commencé à venir, tu devais être prudent. Mais je t'apprends qu'une femme qui est amoureuse, parfois elle a les yeux. L'amour est aveugle. Je vais t'accorder ça. Ça arrive à toutes les femmes. Parce que ce que tu as fait en tant qu'une femme, c'est inadmissible, ma soeur. C'est inadmissible. Mais nous tous, nous l'avons fait. Mais peut-être pour toi, la vie aux yeux de tout le monde, la première des choses que tu devais d'abord faire, c'était de présenter tes excuses à la femme que tu as blessée. Mais je n'ai jamais vu faire ça. Mais tu vas pas me dire que tu combats pour la femme camerounaise, tu combats pour le bien-être du Camerounais, tu combats pour la justice au Cameroun et tu fais l'injustice. L'injustice c'est quoi? C'est d'aller coucher avec le mari d'une autre femme avec qui tu manges sur la même table. C'est ça l'injustice, c'est ça le mal. Tu vois, on ne va pas entrer dans ça parce qu'on s'est dit qu'on est à passer à autre chose. Vous allez monter les petits Omer de Bandjoun, les Kamer, Koko, Tomoa, tous ces gars-là. Alors que, au fait, tout ce que vous avez monté, c'était le montage, vous avez menti sur moi. Tu as utilisé les autres petits là pour me boycotter. Tout ça était le mensonge. Donc ma soeur, tiens, voilà, merci beaucoup antenne publique. Oui, je t'ai dit,
Moi, je suis blogueuse. Tu m'as trouvé sur le net. Je n'ai pas eu besoin de m'accrocher sur une team. Même la team où j'étais là, je suis parti. Je n'ai même pas fait 2 mois dans cette team-là. Je n'ai pas fait 2 mois dans cette team. Et ce n'est pas cette team qui m'a amené sur le net. La team qui m'a amené sur le net, c'est Florentine. C'est Florentine qui était la première à me classer sur Facebook. Elle me reconnaît ça. Si Florentine ne m'avait jamais classé, je ne serais jamais passé sur Facebook un jour. Si je vous donne mon parcours, elle m'a fabriqué. C'est faux. C'est faux. C'est le clash de Florentine qui m'a fait connaître. Parce qu'à l'époque, Florentine faisait peur à tout le monde. Tout le monde avait peur de fleurs de lit, tout le monde avait peur. Moi-même qui vous dis là que j'avais peur, que je n'avais pas voir les affaires, les cas, j'avais... Parce que chacun protégeait sa famille, chacun protégeait son image, chacun protégeait, pas qu'on avait peur d'être parce qu'on était incapable de discuter avec elle ou de l'insulter. Non, c'est parce qu'on protégeait notre vie privée. Donc tout le monde avait peur de s'affronter à elle. Donc ce qui fait que les gens ne voulaient même pas. Alors tu es venu et c'est comme ça qu'un jour, elle a fait un live parce qu'elle est pour là. Je traînais avec Joséphine Bernard, elle venait ici à Paris. C'est souvent moi qu'elle appelait. Elle me voyait chez Joséphine Bernard, j'ai fait les posts de milliardaires chez Joséphine Bernard. Je mettais les trucs. Donc, elle dit comment une fille qui marche avec une milliardaire. Elle a commencé à m'insulter. Et là, ça m'a choqué. Je l'ai appelée au téléphone. Elle m'a enregistré. Et elle a fait jouer ça sur la toile. Ça m'a rendu malade. Je suis allé chez elle. On a fait 1 mois de classe. C'est là où je l'appelle Mamie Japa. Quand le truc avec le mot Japa là sort, c'est là où j'appelle Mamie Japa. Le mot de Ndjangi, c'est quand je clash le président en mode. C'est là où la fête, l'autre fille de l'autre team là au Cameroun, elle voit comment on prend le feu sur Facebook. J'ai plus de 5000 demandes d'amis. Les demandes d'amis sont contre la fille au Cameroun, elle n'est même pas là. Et c'est quand elle rentre qu'elle m'appelle en renfort. Mais je suis déjà connu parce que les gens disent que, waouh, une seule fille qui a fait pleurer Fleur de Lille. Parce que ce jour-là, Fleur de Lille avait pleuré. Elle avait pleuré comme un enfant, elle a pleuré les narines, c'est là qu'elle veut. Elle me veut quoi? Elle veut, et tellement les gens qui avaient le bas de fond de l'île, les gens qui l'en voulaient qu'elle crache, les gens là ils sont réjouis, comme mais enfin, voilà une qui a fait pleurer, Félix Katata, elle a même fait une chanson pour me rendre hommage, pour me dire merci. C'est ça qui fait qu'on me fait comme l'aise. Ce n'est pas celle-là, ne soyez pas bête. Je n'ai pas eu besoin, je me suis battu. J'ai barré sur la toile, ma chère Sœur Sandy. N'est-il pas inventé? Arrêtez! Arrêtez de mettre la vie des Camerounais en danger pour vos propres intérêts. Arrêtez la manipulation. Soyez vrai sur ce que vous faites. Quand vous êtes vrai, Dieu vous ouvre les portes. Dieu vous donne la victoire. N'arrêtez pas la manipulation. Quand ça se gâte entre vous, faites vos problèmes sans toutefois mêler quelqu'un dedans. Je n'ai jamais été en complicité avec quand on la prenait pour avoir une nouvelle époque que ce soit. Non, accusez-moi seul-même, mais ne me mêlez pas à lui. Parce que ce n'est pas mon ami. Ne me mêlez pas à lui. Veux à quand on la prenait. J'avais dit à Kamo la Panthère que si tu veux que toi et moi c'est, on reste comme ça, on parle. Tu vas aller faire le direct en public et tu vas me demander pardon. Parce que c'est toi et ton frère qui avez organisé ce que j'ai eu là. Si tu ne me demandes pas ça pardon, je ne serai jamais ami avec toi. Jamais. Tu peux m'appeler, je réponds. Bon, parce que je suis poli, mais dis que ami avec toi, ou aller faire un direct, ou on avait même été tué pour plaider, pour prendre ta défense, ça ne arrivera jamais. Donc ce que tu as raconté là, c'est faux. Quand on l'a pensé, que tu as dit qu'on était en boîte de nuit, au retour de la boîte de nuit, on s'est retrouvé ici. C'est archi faux. J'étais en boîte en soirée avec mon homme, qui est Monsieur Fodja. Nous sommes rentrés ensemble. Je dormais, il m'appelait. Je voulais fermer mon téléphone parce qu'il a insisté sur l'appel. Je voulais fermer mon téléphone. Il dit que non. Pff, occasion en or. Voilà le gibier. Il est tombé. Les gens, j'ai lancé le direct pour vous faire mal. Je sais que c'était ma vengeance. Je sais que ça va se gâter avec son père. C'est deux personnes que je connais. Ces deux personnes que je connais ne supportent pas que. Non, ça va se gâter. Et ça s'est gâté à la minute qui suivait. C'est ça que c'était pour ma vengeance. Et quand je dis que je t'ai expliqué comment l'affaire de capture d'écran s'est passée, ils avaient dans le groupe, ils ont appelé beaucoup les gens. Oh, voilà les gens, voilà, parce que je ne vais pas entrer dans la politique, ils me pèsent. J'ai dit que je n'entre pas dans le groupe là. C'est ce Brice qui me rappelle. Il me dit que toi, c'est qui, machin. Je l'explique. Et puis c'est comme ça qu'on commence à poser. Il a dit, on parle de Yaoundé, de tout et rien. J'ai ajouté alors mon cousin. Et vous savez, on ajoute aussi quand on la panthère. Il commence à se chamailler entre les gens. J'ajoute quand on la panthère parce que j'ai dit un Congo ça de Brice que quand on la panthère m'a fait. Et c'est comme ça que quand je les ajoute pour qu'ils viennent clasher entre eux deux. Et il a mal passé Brice Sandy sur la tombe de ma femme qui est au village. Il t'a saboté, il t'a humilié, il t'a dénigré chez moi. Et il m'a dit qu'il va tout faire pour qu'on enlève mon boycott. Je lui ai dit que je ne t'ai pas envoyé quelque part. Je ne t'ai pas envoyé quelque part et je ne t'envoyerai jamais nulle part pour aller négocier quoi que ce soit pour moi. Il m'a dit que oh, si tu viens aux États-Unis, on va être ensemble, il te faut quand même pour une nuit. J'ai zappé les bêtises.
Je peux te montrer les photos qu'il m'a envoyées. Je peux te montrer ces photos qu'il m'a envoyées. Les photos privées pour me dire qu'il était le fils d'un général. Oh, il sortait avec des tessiers. La fille qui a fait les enfants avec Samuel et tout. Il a les photos. Je peux te montrer toutes les photos là. Il m'a envoyé une série de photos. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp parce que j'en avais marre des photos. J'en avais marre des captures. Hé, arrête là. Oh, c'est pas une poubelle ici, mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est pas une poubelle. Mon WhatsApp, c'est pour mes amis. C'est pas pour m'encombrer avec les photos. Il m'a envoyé les photos de la copine, la fille avec qui il chante, disant qu'il a fait l'enfant avec Eto'o, comment il était avec les Jamaïcains. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Comment il m'a dit aujourd'hui que c'est quand on l'a pantalon, alors que lui m'a envoyé ce truc intime que je peux te partager, je peux te renvoyer ça si j'avais ton numéro de téléphone. Donc arrête d'être ignorant, arrête d'être naïf face à ces garçons. Ils vont te manipuler. Prends ta place. Soit Willy Mandela. Willy Mandela, tu veux, c'est l'amour dans le combat. Nelson Mandela, elle est restée avec lui. Soit Willy Mandela, ou tu sois une femme qui n'a pas d'homme dans le combat, tu te mets à la peau de l'homme et tu commences à faire comme eux. Tu as ton mari à la maison, c'est tout. Arrête de venir mentir. Là, tu es en train de mentir pour le plus parce que tu veux remonter les gars là sur moi. Parce que tu as vu que beaucoup des activistes m'ont apprécié. Que tu as dans le lot fait, il y a un peu des choses que j'ai fait depuis avant. Mais c'est vous qui les avez, qui m'avez noici auprès d'eux, croyant que je n'ai jamais dénoncé sur la toile. Je ne peux pas être avec vous parce que c'est votre mouvement, c'est votre mouvement. Mon blog, c'est mon blog. Mais vous n'avez pas venu me poser des faits comment je fais dans ma vie. C'est que je suis une prisonnière de vous. Non, je ne serai jamais avec vous. Et je ne serai jamais là pour vous combattre. Parce qu'on n'a pas le même si. On n'a pas le même. Vous êtes des activistes politiques. Moi, je suis une blogueuse qui parle de la société. Donc, de grâce, ma soeur, je te dis, à genoux, laisse de l'eau faut dire. Je vais encore revenir demain pour te faire ce direct-là. Parce que là, j'étais en train de manger. C'est un petit bout de ce qu'il y avait à te dire. Je vais te dire ça parce que ma chère sœur a décidé de ne plus clasher. C'est que je ne parle sans t'insulter. Avant, je pouvais t'insulter. J'ai décidé de ne plus clasher parce que j'ai mis beaucoup de paquets pour faire ma petite télé TV. Ouais. Tu sais que d'ici peut-être dans 5 ans, on ne va plus regarder la télévision. Alors qu'il est temps que moi, j'ai ma petite place. Vous avez vu que beaucoup de blogueuses ont imité mon concept. Quand les gens appelaient pour se plaindre, pour parler de leurs histoires, les blogueuses et d'autres blogueuses d'ailleurs, elles ont imité ça, donné ça, ça porté des fruits. Moi, je vais entrer dans ce bloc d'avant, dans ce dynamisme-là que j'étais entré au début. Je vais continuer dans ça. Mais je n'aimerais pas que demain ou après-demain, tu te donnes, tu dis que Lolo, c'est mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. On a eu des différends. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose, ma soeur. Passe à autre chose. Fais ton combat. Tu fais mon bloc, s'il te plaît. Ne viens pas mentir sur moi. J'ai besoin de rassembler tous les Camerounais. J'ai besoin de rassembler tous les Africains. Je ne veux pas être celle qui est là pour dire que les Bami Pawa. Non, Bami Pawa, c'est mon concept. C'est moi qui ai créé Bami Pawa sur cette toile. Et tout le monde le sait. Je l'ai créé Bami Pawa. Et Bami Pawa, c'était culturel. Et demain, on va parler de Timina. Je vais vous dire pourquoi, dans le sens que je voulais créer Bami Pawa. Ce n'était pas dans le sens de nuit à l'autre. Alors, quand c'est dans le sens de nuit à l'autre, je ne me retrouve plus dans ça. Parce que je ne suis pas parenté avec tous les Bamiléké. Je suis désolé. Je ne suis pas parenté avec tous les Bamiléké. Mon père fait 14 enfants. J'ai 14 frères et sœurs. C'est comme ça. Donc, je ne veux pas. Mais qu'on respecte la culture et le peuple de tout un chacun. C'est ça qui est important. Quand je suis Bamiléké, tu me respectes le peuple Bamiléké. Moi, je respecte le peuple Bassa. Je respecte... Une fois que tu me manques le respect en tant que Bassa, moi, je vais te manquer le respect en tant que Bamiléké. On sera quitte. Mais ce ne veut pas dire que dans ma chaise sans dit, je t'en supplie. J'étais en train de faire la banane malassée. J'ai pensé à ce que tu as dit hier. Et je ne suis même pas obligé de dénoncer mais sans dit de poisson. Parce que les Camerounais sont. On va parler de ça demain. Donc, ma chère soeur. Ou ma chère petite soeur, parce que moi je suis la grand-mère de tout le monde sur Facebook. Toutes les petites filles là, elles sont tellement petites, elles sont tellement ceci. Moi je suis la grand-mère, je prends la place de grand-mère, je viens en salle, je te dis que tu n'es pas mon ennemi, tu ne m'obliges à rien faire sur mon blog, parce que quand j'ai créé mon blog, tu n'étais pas là. Quand on m'a publié une nuit en tant que femme, tu n'as pas dénoncé. J'ai eu des injustices sur la toile où je t'ai jamais vu prendre ma part. Alors aujourd'hui, je suis libre de faire de mon blog ce que je veux. Et je suis pas, tu es libre de faire de ton activisme ce que tu veux. Mais ne mélange pas les blogueuses là-dedans. Et le conseil que je vais te donner, c'est qu'en tant qu'une femme activiste, tu dois fermer tes jambes. Tu fermes tes jambes, tu restes focus dans ton combat. Et quand tu ouvres tes jambes, dis-toi que tu vas tomber dans la manipulation. Et comme tu es tombé dans la manipulation, j'ai vu tes larmes, ça m'a fait un percement au cœur parce que je sais que tu étais prévenu. Florent, il parlait de ces garçons-là, tu écoutais. J'ai parlé de ces garçons-là, tu écoutais. Mais tu as fait la sourde oreille. Beaucoup de gens t'ont dit. Mais tu as fait la sourde oreille parce que tu étais. Et tu dis comme amoureux, c'est normal. On ne t'en veut pas pour ça. Parce que moi, j'ai fait des choses dans l'amour que. Aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce qu'il m'avait même piqué à le faire? Mais je sais, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais ne mens pas sur moi. Parce que le mensonge, je déteste. Si tu dis la vérité sur moi, je suis capable de me mettre à genoux devant toi et te demander pardon. Mais ne mens pas, ne manipule pas. Accepte tes erreurs. Les gens t'ont pardonné.
les gens t'ont soutenu, dans, même dans ces moments difficiles, même dans ce que tu as fait à une femme comme toi. Tu as fait à une femme, vous savez qu'une femme était assise à côté de son poison tous les jours que Dieu a créé. Elle n'était pas au courant. C'est un crime, c'est une injustice. Toi qui viens condamner l'injustice, entre guillemets l'injustice au Cameroun, toi qui viens plaider pour la femme camerounaise, pour la liberté d'expression, pour le respect de l'autre, tu n'as pas respecté une autre femme. Tu n'as pas respecté le foyer conjugal d'une autre femme. Alors tu aurais pu te faire... malgré ceci, les gens t'ont soutenu parce qu'on a vu qu'en face d'un, il y a une femme qui pleure. Les gens t'ont soutenu. Estime-toi heureuse. Dis-toi, Dieu merci, les gens m'aiment malgré mes bêtises. Ne viens pas demain encore pour tuer les autres personnes parce que tu vas encore te faire aimer. Sinon, le pire reviendra. Parce qu'on se, on ne fait pas ça à un enfant. Moi, on ne fait pas ça à quelqu'un. On ne vit pas dans le mensonge. Dans les larmes que tu as payées là, je vais aller dans le sens de Talita Koutès. Je pense que c'est les larmes de la manipulation. Sois vrai. Parce que le jour que le peuple va te tourner le dos, ça sera dangereux. Tu auras besoin de Lolo. Sois vrai avec ce peuple-là. Parce que moi, je suis vrai avec le peuple camerounais. Je suis vrai avec le peuple africain. Je suis vrai. Moi, je suis quelqu'un qui est vrai. Dans mes clashs là, parfois, je dis, bon, je joue un peu. Là, parce que c'est un peu dans les clashs, entre, il faut des stratégies. Mais dans la vie réelle, je suis quelqu'un de vrai. Voilà. Je suis quelqu'un de vrai. Je ne cherche pas à nuire aux gens. J'ai rencontré Stéphane Toumoua, j'ai rencontré au tapis rouge, j'ai rencontré Ariel Banderas, j'ai fait des photos avec eux. On a rigolé. Non, non, c'est comme moi, ma soeur. C'est ça que je veux. Je ne veux pas. J'ai vu le commissaire Pizarre Zogo au concert de Lady Ponce. N'oubliez pas le concert de Chris M. Le Chris M, c'est le 29 avril à Charleroi. Il y a les flyers sur ma page. Allons encourager la culture camerounaise. Allons encourager cette jeunesse camerounaise qui se bat pour la notre culture. Chris M, c'est une artiste, la Montana de la musique urbaine Cameroun. Celle qui a révolutionné le Ben Sikin. Ça fait la fierté du Cameroun. Cette jeune fille baleine de l'Ouest. Baleine de l'Ouest, elle fait la fierté du Cameroun. Chris M a besoin des encouragements. Demain, il y a un jeune artiste camerounais, un jeune comédien camerounais qui a dit que la musique camerounaise ne sort pas du Cameroun. Vous vous êtes énervé, c'est vrai ce qu'il dit. Il dit la vérité, ça ne sort pas du Cameroun. Parce qu'il n'y a personne pour promouvoir cette musique-là. Et nous sommes dans les réseaux sociaux pour faire ce travail. La promotion, il a dit quand j'ai fait Daphné, les Ivoiriens chantaient Daphné grâce à Lolo Fodja. À partir de mon blog, j'ai déclenché quelque chose qui est dans mon Cameroun depuis un an. Alors je dis, Chris M est venu aujourd'hui là. C'est la montée de la musique camerounaise, c'est une jeune dame. On peut repousser, qui c'est qu'elle n'a pas dénoncé. C'est un enfant, elle a quel âge? Il y a parfois qu'elle fait des choses contre les nuances. On peut l'accorder, lui dire que voilà, la prochaine fois, elle a pris note. Ça veut pas dire qu'on a la boycotté. Elle n'a jamais été dans le palais de police. Elle n'a jamais été dans le monde de la politique. Elle est nouvellement venue. Nous devons l'encourager pour qu'elle s'aide le peuple avec elle. Si elle a une injustice, peut-être au Cameroun, elle peut se donner son mot sur sa page. Ne profitez pas. Ne soyez pas dans le tribalisme. Le tribalisme, ça détruit un pays. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. La musique, c'est... Attendez, je vais mettre un peu le sédan. La richesse d'un pays, c'est sa culture. Et la musique fait partie de la culture. Donc, si vous voulez détruire la culture de votre pays, ça, c'est dommage. Pendant que d'autres font des bonnes choses avec la culture. Aïe, marre de Dios. Non, je vais jeter ça. Comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont fait la... Regardez comment un artiste comme le petit gars là. Un artiste qui ne chante même rien. Mais les Ivoiriens ont lancé celui qu'on appelle Manaja Kola. En tout cas, demain, je ferai un direct à partir de 16h. Restez connectés. Demain, je fais le direct. On va parler. Je ne vais pas rester longtemps. Demain, à partir de 16h, je fais le direct. On va parler de ça. Donc, ma chère soeur, n'oubliez pas, Chris M est à Bruxelles le 28. Partout elle sera, je crois qu'elle sera aussi le 8 hein, sur Paris, à la soirée énergie, là, quelque chose comme ça. Allez encourager Chris M. Encourageons notre culture, c'est ça. Et maintenant, j'avais dit que je ne prononcerai plus dans les poèmes des artistes camerounais, parce que les artistes camerounais sont trop ingrats. Donc franchement, ce qui vous regarde là, moi je ne me prononce plus. Parce que je me rappelle quand il y a eu le boycott des artistes ici là. C'est à partir de là que les gars de la base ont même commencé à me mettre l'œil. Je parlais sur ça jusqu'à
Je parlais sur la fin des boycotts, les articles, comme c'était ma part. Mais quand je vous invite à mon émission, vous ne venez pas. Vous partez chez Ivideo. Vous partez chez Google, dit en Côte d'Ivoire. Je ne parle plus vos choses. Mais sinon, sachez quand même que la culture, c'est la richesse d'un pays. Il ne faut pas détruire la culture de votre pays. C'est très dangereux. Vous pouvez vous entendre et discuter avec nos artistes. Vous leur dites ce que vous leur reprochez. Et vous entrez dans le dialogue avec eux. C'est tout simplement ça. C'est tout ce que je peux parler de ce qui concerne le boycott des artistes. Que discuter avec vos artistes, ça ne sert à rien de créer un point de fer avec eux. Parce que la richesse de notre pays, c'est la culture. Et la musique en fait partie. Si vous êtes passé d'un artiste camerounais, entrez en contact avec le manager, vous discutez avec cet artiste-là, l'artiste va vous donner ses raisons parce que c'est pas aussi facile pour eux au Cameroun. Les artistes camerounais ne gagnent pas, ils ne vivent pas de leur art. Donc parfois, ce n'est pas facile pour eux. Essayez de discuter avec eux et de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Donc, Chris M. le 28. Chris M. le 28. Le 29 avril à Paris, à Charleroi, peut-être je serai là si j'aurai le temps, je ferai tout pour aller encourager notre culture. Alors on vous attend nombreux à Charleroi, tous les flyers sont sur ma page. Et n'oubliez pas aussi l'application TapTapSen, parce qu'aujourd'hui avec l'application TapTapSen, même en faisant ta cuisine, comme je suis en train de faire ma cuisine depuis aujourd'hui là, j'ai fait à manger et on m'appelle, mon téléphone sonne. On m'appelle du Cameroun. Tata Lolo, il y a urgence, il est quelle heure? Il est minuit. Il y a problème au Cameroun. On a besoin peut-être de 100 000 francs. Je veux mon téléphone. Je passe sur l'application TapTapSen à l'aide de ma carte Visa. J'ai fait tap, quand même si c'est à 2h du matin au Cameroun. Il y a les boss orange, MTN un peu partout dans les rues au Cameroun là-bas. J'ai fait ce mandat avec mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Je n'ai pas besoin d'attendre le lendemain comme avant. J'ai fait un mandat à partir de mon compte. TapTapSen que je télécharge sur Play Store. Tu télécharges TapTapSen sur Play Store. Tu as ça sur ton téléphone. Tu envoies ton argent. Il n'y aura pas que des gens t'appeler pour dire que le nom n'est pas correct, le numéro n'est pas correct. Oh, mon agent n'est pas sorti. L'agence n'a pas retrouvé le numéro. Parce qu'il y a des vols dans les agences. Nous le savons tous. Avec TapTapSen, c'est l'assurance. TapTapSen, c'est la sécurité. TapTapSen, il y a la confiance. Donc, et vous bénéficiez de 5 euros avec le code promo LOLO237 quand tu envoies 20 euros. Celui à qui tu es le destinataire reçoit 25 euros au Cameroun. Donc utilisez mon code LOLO237. Et les frais d'envoi, ça ne coûte pas grand chose. Vous n'avez que 2 euros à dépenser pour les frais d'envoi. Juste un quota de 2500 francs, pardon. 2500 euros. Donc tu envoies 2500 euros, tu vas toujours payer 2 euros de frais d'envoi. Voilà avec TapTapSen. Voilà, la télévision est là. Tous ceux qui ont besoin des placements de produits, n'hésitez pas à me contacter au 0033. 766 29 22 01. C'était toujours une petite vidéo pour la cuisine. C'est ça que j'ai dit de ne pas partager, que ça ne servait à rien. Pour rêve bien été en live. Voilà. Je vais partager plus tard. J'ai redit encore à Sandy de Boston, tu es une compatriote, quelle qu'en soit ta position politique, ce n'est pas ça qui va faire de toi une ennemie pour moi. Moi, je parle avec tout le monde. Je vais dans tous les directs. Même dans les directs des tribalistes, moi, je parle là-bas pour leur montrer que je suis dans le vivre ensemble. Voilà, qu'on essaie de se comprendre. Parce que le tribalisme, c'est l'arme des faibles. Ça détruit un pays. On ne peut pas évoluer dans le tribalisme. Alors, il faut qu'on mette souvent ça de côté et on discute autour du tas. Ce que tu as raconté là hier, tu n'es pas aimé. Ces fleurs-là, j'aurais pu les considérer, mais je commence à comprendre qu'il y a un peu de la manipulation là-dedans. Il n'y a pas. Voilà, je ne suis pas là pour juger votre combat. Je ne suis pas là pour dire que tel est le meilleur, tel n'est pas le meilleur. Mais ce que tu as dit dans ta sortie d'hier, c'est du mensonge. Voilà. C'est du mensonge. Du côté du boycott, accepte qu'ils t'ont manipulé pour me boycotter. Et arrête de me comparer avec d'autres blogueuses. Parce que chacune des blogueuses de nous, on a des cadavres dans nos placards. On a fait du sale. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Mais chacun de nos followers ont choisi de nous aimer que tel que nous sommes. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon, sur ce. J'ai terminé, je vais laisser encore la nourriture. Moi, j'aime un peu que la banane soit un peu bien moulée, ça que je laisse un peu rester longtemps. Voilà. N'oubliez pas vos placements de produits. Je réponds au 0033-766-29-2201. C'était votre tata Lolo Fodja. Je vous remercie beaucoup, Isabelle. De vivre la joie, bonsoir. À tous mes Lolo Malin, la Russie. Vous savez, il y a des tentations. La semaine dernière, je m'étais un peu... Voilà, tu sais, ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur Facebook. Je n'avais pas fait des lives. J'avais un peu la rage. J'avais envie de faire parler un peu de moi.
Tu m'as envie d'un peu de faire le buzz, de faire crier un peu dans tous les toits, faire un peu le règlement du compte sur ceux qui m'ont attaqué quand j'étais dans, couché chez moi, à penser à beaucoup de choses. Et ce qui fait que je suis sorti, j'ai fait des sorties où j'ai tapé un peu des petits de tous les côtés, quoi. Chacun a pris sa balle. Et bien, je peux vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus ça. Voilà. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai des problèmes, si c'est la justice, nous irons en justice. Si j'ai décidé, je vais le laisser, je vais aussi le laisser parce que bon, voilà. Mais ne m'attendez plus là-bas. J'ai appris qu'il y a des gens qui voilà, ne m'attendez plus là-bas. J'ai autre chose à faire. Comme pour vous montrer, Babala Malarcé qui est déjà presque, qui tire à sa fin déjà. Voilà, c'était avec le combat pote. Je vais vous montrer la fin. Ouf, mais il faut le sel. Hein. Le truc, s'il faut ça pour faire le sel. Hein. Parce que après, je déteste quand la nourriture est salée. Je sais que je fais attention quand je ne fais pas. Je n'aime pas quand la nourriture est salée. Alors, mais le Lomania, vous savez, ma page est restreinte. Après cela, pensez à partager ce direct. Celles qui veulent découvrir la nourriture de chez moi, la banane malassée, celles qui veulent manger la banane malassée, la nourriture de chez moi, vous pouvez le reproduire chez vous en regardant mon live. De temps en temps, comme je faisais avant, je vais commencer à faire des petites directs comme ça pour la nourriture. Il y a une blogueuse qui a dit qu'elle ne sait pas préparer. Maman, tu me connais où? Demande à mon gars, c'est vrai, papa. Il m'a dit que Lolo, c'est cordon bleu. C'est que ma mère n'était pas une femme. Ma mère avait un restaurant, ma chérie. Ma mère avait un restaurant et j'y sais très bien que la cuisine. Voilà. Je vais vous dire bye bye. On se dit à demain alors. Voilà, je vais vous montrer ma marmite. Voilà ma banane malassée. Diane Ladrine, tu es restée, tu n'es pas partie. Voilà ma banane malassée que j'ai cuisinée. Vous voyez comment mon bazar, tout est propre. Voilà mon cassis de poubelle, tout est propre. Là, c'est la nourriture de Gloria là-bas qu'elle a fait. Voilà la marmite de Louise Gloria. Vous voyez. L'huile sort déjà. Bientôt c'est prêt. La commande de Papa Fodja. Il m'a dit, oh, je vais manger aussi la banane. Bon, on se dit bye bye. Hasta la prochaine fois. D'accord? Où est la poubelle de Tata Lolo? Même ma poubelle. Même ma poubelle. C'est ça qu'on appelle femme. Quand vous venez sur le palais là, je vois comment vous me ressemblez. Non! Nya nya, c'est bon jusqu'à. Va le produire comme j'ai fait là, tu mets là, dans l'arachide, tu mets l'ail, l'oignon, un peu de gingembre. Moi j'ai mis juste un peu de gingembre, oignon et l'ail. Tu peux mettre beaucoup d'ail. Tu fais, tu épluches la banane, tu mets dans une marmite, tu mélanges les oignons et l'ail dans l'arachide, tu écrases, tu mets, quand tu finis d'écraser, tu mets ça dans la marmite où il y a la banane en haut, tu prends ton poisson fumé, tu déposes ça en haut, voilà, tu verses l'huile rouge, allez en haut, hop, hop, hop. Tu mets le cube, tu mets l'oignon, tu mets du sel et tu couvres ta marmite. C'est fini, c'est même, c'est ça, ça va vite. Quand il est rentré, il travaille, il dit que la banane est finie. J'ai dit que c'est fini. Il dit que ouais, prépare-moi alors ça. J'ai dit que non, il va aller maintenant encore à la boutique. Tu vas encore aller chez Diaby. Diaby, à l'heure là, c'était à 19h. Hein. Il me dit que ouais, pardon, c'était trop bon. J'ai dit qu'il va aller chez Diaby maintenant prendre encore la banane. Ouais. Bon, tu sais quand c'est ton chéri qui est obligé, hein? C'est le devoir d'une femme. Voilà, c'est le devoir d'une femme. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, je suis allé chez Diaby, j'ai pris la banane chez Diaby, j'ai pris aussi encore le combat pop. Le combat pop aussi est cher, hein. Les deux combat pop là, ça va coûter 17 euros. Deux combat pop comme ça, 17 euros. Et puis j'ai eu le poisson, il y a passé la reine de l'Omanam aussi, elle va amener apporter le poisson du Cameroun. Bon. Bye bye mes amours, je vous aime. Hein. Continuez à partager le live, abonnez-vous sur la page Tata Lolo TV, abonnez-vous sur la page de tous ceux qui me suivent. Voilà. Bisous à vous là-bas, bisous à la Russie, bisous aux Lolomania, bisous aux sympathisants. Merci pour ceux qui m'ont donné les étoiles. Merci à Patricia Po, merci à Talita Foutez, merci à Pascal Bellard, merci à la marraine d'accord ouvert. Flora Nana, abonnez-vous sur la page de Flora Nana. C'est la marraine d'Atta Lolo TV.
Merci à mes techniciens. Merci à tout le monde. Merci. Je vous dis bye bye et bonne nuit. Bon début de semaine. Bisous. Bye.